Non. Allez, mon vieux, il faut que tu m'aides. Ah bon? Ouais, c'est promis. Je dirai rien à personne. Non, non. La famille d'abord. Et je vais avoir des problèmes. Oh ah, tu m'as planté! Ouais, ça fait mal, hein? J'avais jamais été planté avant. Laisse-moi tranquille. Mais ça fait mal, papa! C'est moi! Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu sais, la routine habituelle. Oh, Ryan! C'est grave. Je suis désolée. Si grave que ça. J'arrête pas d'essayer de régler ce merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant. C'est pas de ta faute. Rien m'obligeait à venir. J'aurais pas dû te laisser me suivre. Je crois pas que tu sois ma mère. Non. Désolé. Je vais mourir. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça... ça va guérir, hein. Attends. Peut-être que oui. Quoi ? Ryan, si tu me laisses te mordre... Quoi ? Si tu me laisses te mordre, ça veut dire que tu seras infecté. Et là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Ouais. Ouais, je sais, le grand méchant loup. Ouais. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir. Si je te mords et que tu guéris... Alors... Je devrais tuer Chris. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau. Et la mienne. Et celle de Max et de tes potes. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à Kate. Ou je me vide de mon sang. En gros, ouais. T'as le choix, pour l'instant. Alors, on y va ou pas ? Vas-y. J'ai la viande bien tendre.
quelqu'un. Tu devrais commencer à te sentir mieux. Bientôt, je pense.